Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, comme d'habitude, ça fait un petit moment que l'on s'est pas vu. J'ai laissé tourner pas mal le jeu, et comme vous pouvez voir en haut à droite de votre écran, la construction des objets de la phase 3 pour l'ascenseur orbital est terminée. Alors, j'ai pas débloqué les technologies, je me suis pas spoil. On fera ensemble. Je vais juste vous montrer, hop, j'ai fait quelques modifs et j'ai encore quelques modifs à faire. Voilà. Alors, le petit coup de boule, j'ai doublé la production d'ordinateur. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle production. Je sais pas si on l'avait fait ensemble, je sais plus du tout. Mais j'ai dû rajouter les supercalculateurs. Ça me sert pas mal. Ça me sert notamment pour les répartiteurs programmables. Donc voilà, vous pouvez tout simplement choisir exactement ce que vous voulez mettre à tel endroit ou autre. Pas en quantité, mais pas vraiment en quantité, mais en objet. Donc, plutôt pratique. Et j'ai rajouté un système de tri. Hop. Voir comment j'ai fait mon système de tri. Grosso modo, je vais chercher à la fin de la production. Hop, voilà. Ici, c'est la fin de la production, par exemple, pour les vis. Je mets un répartiteur programmable. Je dis la sortie centrale, c'est... Alors, la sortie centrale ou la sortie principale, on va dire. C'est... Oh, c'est en déche de vis, de ce côté-là. Peut-être falloir que j'équilibre. Je disais la sortie principale c'est la production, en gros tout ce qui va servir à l'alimentation des machines plus tard. Et les sorties annexes, on va mieux le voir ici. Et les sorties annexes c'est tout ce qu'il y a en trop en fait, tout ce qui produit en trop. Donc là, tout ce qui va partir sur le convoyeur vertical là, c'est ma prod utile. Par exemple à faire les plaques de fer renforcé, etc. Et tout ce qui part sur la gauche, donc ici, c'est ma prod en trop. Une fois que ça arrive en bas, voilà, c'est mis dans les convoyeurs. Donc là, hop, vous pouvez voir, j'ai des convoyeurs un peu partout. Outre, tuyaux, machin, enfin vraiment presque tout. Et ce que je fais, c'est que une fois arrivé en bas, le surplus, parce que forcément il faut que ça remplisse le conteneur, mais une fois le conteneur rempli, ça part au broyeur. Ce qui fait que j'ai pas mal de coupons pour pouvoir débloquer petit à petit tout ce qu'il faut. Et ici je mets du stockage. Alors, il y a différents types. Il y a soit par exemple les vis, vu que j'avais une grosse prod, alors plus au début, mais là il y en a un peu moins, mais vu que j'avais une énorme production, un énorme surplus de vis, j'utilise une arrivée pour un convoyeur. Et là par exemple, j'utilise une arrivée pour 1, 2, 3, 4, 5 convoyeurs. Ce qui fait que là, on reçoit plein de matériaux différents. Là, on a pu voir par exemple des plaques. Des tiges d'acier, des poutres en béton armé, j'ai vu des câbles je crois, des câbles. Ici je dis bah tu me fais rentrer l'item que je veux ici souhaiter, donc là par exemple la poutre en acier. À droite tu me mets le surplus, donc tout ce qui est soit poutre en acier en trop, soit le reste. Ici tu me mets poutre en béton armé, au milieu le surplus. Ici tu es en acier, au milieu le surplus, etc, etc. Et à la fin, câble. Et le surplus, qui part au broyeur. Voilà. J'ai utilisé cette méthode vraiment pour tout. J'ai encore quelques problèmes de stabilisation au niveau de la production. Comme vous pouvez voir par exemple pour les vis, à un endroit, on n'avait pas assez. Voilà, je suis encore en train de travailler dessus. Mais... vu que la phase 3 n'est pas terminée, enfin
vu qu'on va débloquer, putain, pardon, plutôt la phase 3 de l'ascenseur orbital, on va très certainement, enfin je suppose, débloquer tout ce qui est nouvelles ressources, etc. Bah, tout ça, ça va possiblement devoir être fait. Donc bon. Ouf. Allez, on va l'envoyer d'ailleurs, l'ascenseur orbital. Enfin, envoyer les ressources vers l'ascenseur orbital. On va faire monter les ressources en orbite via l'ascenseur orbital plutôt. Donc on va commencer. Hop. On charge le bardal. Et on envoie. Hop. On profite. Objectif terminé la phase 4. Attends quoi, il y a encore une autre phase? Mais je suis pas au courant de celle-là. Tu me diras, je suis pas au courant des autres non plus. Mais c'est bizarre ça. Pardon. Quand on va sur le hub, y a pas la phase supplémentaire aussi. Je suis trompé. Il n'y a pas lié 7 et 8. Alors déjà. Bauxite logistique MK5. Combinaison de protection, ingénierie aéronautique. Overpack. Hein, aéronautique? Tiens. Énergie nucléaire, production d'aluminium avancé, production de pointe, enrichissement de particules. Oula. Ouh là là. Alors, voyons voir. La bauxite. Solution d'alumine. Ok. Je sais pas du tout à quoi ça va servir. Lingots d'aluminium, des bulles. Tôle d'aluminium en alliage. Boîtier en aluminium, tiens, j'ai vu que j'en aurais besoin ça. Dead control de ma radio. Améliore et oriente les signaux radio. Je sais pas ce que c'est. Mélangeur, qu'est-ce que. Oula! Elle est capable de mélanger des fluides et les combiner avec des pièces solides. Ok. Mise à jour scanner bauxite, mise à jour scanner quartz brut. Ah bon, je les avais pas ça. Alors bauxite, je veux bien, quartz brut. Et le bauxite. Ah oui, mais non, mais non, mais. Oh, c'est étrange ça. La logique MK5 780 ressources. Wow. Il faut quoi ça? Tôle d'aluminium, ouais. Combinaison de protection. Ah oui, sur les radiations, ok. Filtre d'infusion à iode. Ok, ouais. Un emplacement de l'inventaire. Ingénierie aéronautique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Acide sulfurique. Ouais. Ouais, batterie. Ah oui. Super calculateur. Mais je l'ai déjà, ça. Drone. Transporte les matériaux entre la plateforme de départ et la plateforme de destination. Oh, mais ça c'est mieux parce que j'avais vu le train, j'avais essayé, mais c'était ni fait ni à faire. En batterie, ça consomme des batteries. Ok. Ça peut être pas mal. Bon, l'héliport, forcément. Par contre, c'est très peu. Hein. 9 emplacements d'inventaire. Ouais, tu m'étonnes, ça vole. Après, ouais, faut en avoir beaucoup. Hein. Une grosse consommation de batterie, je suppose. L'héliport peut-être assassiné. L'interface de l'héliport fournit des détails de livraison. Okay. Système de directeur d'assemblage. Ah oui, c'est pour le palier supplémentaire de l'ascenseur orbital. Overpack. Consommation permet de se déplacer vers. Ouais, j'ai pas eu le temps de lire. Attends.
Permet le déplacement vertical et le vol stationnaire dans les airs pour améliorer l'efficacité de la construction de la traversée de l'usine. Se connecte sans fil aux connexions électriques voisines, telles que les poteaux électriques et les bâtiments pour l'utilisation d'énergie. Ouais, c'est une sorte de jetpack en mieux, quoi, de ce que j'ai compris. Remplacement d'inventaire, voilà, ça c'est cool. Palier 8, énergie nucléaire. On peut scanner l'uranium, ça j'en aurais besoin pour débloquer une technologie de lama. Lama. Comment ça s'appelle? Prod d'énergie. Ouais, de la prod. Intervenir, utiliser un serrateur connecteur pour revenir. Champ magnétique. Ah ouais, c'est une pièce, ok. Pressurisateur. Pièce passée sur un puits de ressources, puis activer. En pressurisant la ressource. Activer les extracteurs de puits de ressources peut être assigné des nœuds environnants pour extraire la ressource. C'est pas la question qu'on avait, ça, vous savez, là, j'ai. J'ai du fer ici, là, et là je le vois pas. Ça se trouve, c'est ça qu'il me faut, c'est peut-être le pressurisateur. Scanner d'eau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a certains endroits. Bien ça. Pétrole brut. J'ai déjà. Scanner azote. Oui, ça, j'ai vu en allant me balader hier, je crois. Il y avait de l'azote, je sais pas à quoi ça sert encore. Dissipateur de chaleur, mais bon, bah c'est bon, j'ai ma réponse. S'il y a des systèmes de refroidissement, l'azote c'est vraiment pas mal. Cadre modulaire fusionné, oh la vache. Cadre modulaire résistant à la corrosion renforcée au nitrure. Très robuste, mais cependant léger. Moteur turbo. Moteur a une version plus complexe, plus puissante du moteur standard. Ok, pour MK3. Oh ouais, il va falloir tout revoir, tous nos standards, tous nos calculs là. Moteur L4. Foreuse MK3, ça va plus déconner. Usé à propulsion thermique. Ah oui, ça c'est pour la phase acide citrique. Acide nitrique, pardon. Ok. Acide conditionné. Uranium fossilisé. Ça fait. Et non fissible. Les figues maintenant doivent être utilisées, ouais. Peut être converti en plutonium fissile dans l'accélérateur à particules. Attention légèrement radioactif. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il va y avoir ça aussi. Analyse de plutonium. Non fissile utilisé pour produire un cylindre de plutonium. Ah oui, d'accord. On est plutôt un générateur à particules. Ah ouais, le fameux. Consommation d'énergie extrêmement haute, instable et varie selon les plans. Poudre de cuivre. C'est projet numéro 9. Ah oui, d'accord. Une matière dégénérée extrêmement dense. Ah oui. Ok. Bah écoutez, je vous propose de débloquer déjà tout ça tranquillou. On va chercher des cadres lourds, des cadres modulaires lourds, et puis on va déjà débloquer tout ce qui est la partie raffinage de bauxite. On avait trouvé en plus une fois en baladant du bauxite brut. Bon, une fois. Ouais, c'est cool. Il me fallait 100 cadres modulaires lourds, ils sont là. Et vous voyez, là j'arrive. J'ai juste à faire tac.
Et j'ai mes cadrans modulaires lourds, magnifique, n'est-il pas? Tiens, je viens de voir que. Voilà. Et pendant que ça se débloque, j'irai vous montrer. Parce que forcément, ça m'a un petit temps à se débloquer. C'est là. Tac, tac, tac. Ah zut. J'ai pas pris ce qu'il me faut. Il me faut des ordinateurs. On n'est pas là par hasard? Non. On va chercher. C'est quoi ce bruit? Alors, je sais pas si ça le fait pareil chez vous. Je vais augmenter le son chez moi. Ça grésille aussi chez vous, mais c'est pas très agréable. Ah, j'ai bien l'impression que ça grésille aussi chez vous, hein. Attendez. Je vais sauvegarder. Et je vais revenir au menu principal. On va voir si... Ça va régler le problème de son parce que là, à mon avis, ça doit vous casser les oreilles. J'en suis désolé. J'aurais peut-être même pu relancer le jeu au final parce que ça prend à peu près plus de, enfin, ça prend à peu près autant de temps de relancer le jeu. C'est pas très grave. Aussi, déjà bon été. Normalement, c'est en train de sortir l'été. J'ai rajouté des centrales électriques, mais thermiques, avec les geysers. Géothermiques. Pas thermiques, mais géothermiques. Avec les geysers. C'est une production moyennement stable. Est-ce que ça va? Ok, ça a l'air de moins déconner déjà. Allez, on envoie ça. Milestone reached. Quartz and bauxite scanning unlocked. Nouvelle ressource? Ah, ressource carrément. Ah oui, mais oui. Donc on a le mélangeur. On va voir quelle taille il prend. Oh la vache. Ouais. Il prend la taille d'une assembleuse. Normalement on aura rien. Et là non plus. Par contre on a bauxite. Ah oui, la carte a grandi, j'ai mis des morceaux, des coups de radar de ci de là. Ah c'est bien, on a juste un pas loin, pur en plus. Oh, oui. On aura de la bauxite pure pas loin. Deux purs pas loin. Super. Ok. Hop, alors on va prendre le tunnel et je vais vous montrer quelques petits changements, quelques. Oui, comme je vous disais, les centrales géothermiques qui sont alimentées via les geysers. Et en fait, c'est pas une, y a pas une, c'est pas fixe au niveau du rendement énergétique. Si vous voulez, ça va être par exemple un geyser pur va produire entre 200 MW et 600 MW. C'est un sacré delta. Bon, tu sais qu'en moyenne, tu as une alimentation de 400, donc c'est pas trop un problème. Mais tu vas avoir des montées, des descentes. Et pour pallier ça, bah, en fait, tu mets des gros condos. Voilà. Les centrales géothermiques, je descendrai hein, et on ira les voir. Voilà, qui se mettent par-dessus le geyser et qui produisent un petit peu. Hop. Voilà, dès qu'on est arrivé, on redescendra. C'est plus rapide de passer par là.
Et vous allez voir, c'est pas la seule surprise qu'il y a. Je réserve la meilleure surprise pour la fin parce que. Ouais, j'ai fait un petit truc, hein, vous verrez. Enfin, c'est pas fait, c'est commencé. Alors. Ah zut. J'ai pas d'armes en plus, je peux même pas. Là, j'ai un truc ici, mais. Voilà. Donc, les centrales géothermiques. Elles sont stylées en vrai. Je trouve ça plutôt stylé. Vous voyez, donc produit entre 200 et 600, donc une moyenne de 400. En fait, ça monte et ça descend, ça fait des vagues, vous voyez là sur le graphique de production, ça a monté, ça descend, etc. Pour éviter les variations, on a des gros condos, donc un onduleur. Si jamais on consomme plus que ce qui est disponible, par exemple, imaginons on a une production minimum. Quand les deux centrales géothermiques sont plus bas, elle est à, je sais pas, 5 gigas. Une production maximum, elle est à 6 gigas. Et là, on a une produ et là, on a une demande à 5 gigas 5. Vu que 5 gigas c'est plus petit que 5 gigas 5, moi je vous apprends rien. Et ben les onduleurs vont se mettre en route et vont se décharger pour pallier le manque temporaire, parce qu'après ça va remonter la production jusqu'à 6 gigas, mais va pallier le manque temporaire de production. Voilà. Voilà en gros à quoi servent les onduleurs. Putain, pour une fois mon diplôme d'électricité me servira à quelque chose. Alors, je vais vous montrer une deuxième petite surprise. Lorsque j'ai rééquilibré, on va dire, tout ce qui est production en bas, enfin tout ce qui est production, voilà, faire les sorties, se dire ok, bah là, j'en produis trop, ça va dans le broyeur, comme ça, pas trop de soucis. J'ai. Quoi? C'est que. Ah, ok. Je l'ai oublié depuis longtemps. J'ai dû faire face à un petit souci, c'est que je n'avais pas assez de production. Enfin, j'ai cru. Non, en fait, c'est même pas j'ai cru, c'est je sais que je n'ai pas assez de production de plastique si ça tourne à plein régime. Bon, là, ça se voit pas. Parce que là, la ligne est complète. Non, j'avais clairement pas assez de production malgré ma deuxième. Comme vous savez, ici, j'ai une deuxième puits de pétrole. C'est-à-dire que j'en ai un là. Et j'en ai un ici, je crois. Ici ou là? Quelque part par là. Comme je vous disais, c'est pas suffisant. Si ça tourne à plein régime. Là, c'est ralenti par autre chose. Par le cuivre, je crois. Non, même pas par le cuivre. Par le. Comment ça s'appelle? Par le catharium. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est le catharium, hein, c'est bien le nom. Ce qui fait que, bon, bah, pas de chance. Merde, je disais quoi? Ce qui fait que, voilà, ouais, j'ai pas tant de consommation de plastique que ça actuellement. Hop, si on va. Ah, si on va là, j'ai encore pas mal de plastique. Et je pense qu'en plus, en fait, là, j'en ai pas mal dans les stockages aussi qui font que ça passe. Là, vous voyez, hop, ça a commencé à remplir, ou ça, voilà, ici. Mais je suis à peu près sûr que j'en ai plus de consommé que ce qui arrive. Et petit à petit, ouais, on voit petit à petit, ça baisse. Et une fois que là, les deux conteneurs seront vides, bah, j'aurai du mal avec le plastique. C'est pourquoi je suis allé chercher du pétrole autre part. Et il était loin. Et c'est pas fini, mais il était loin. Là, on y est pour. Honnêtement, je sais pas combien de temps. Allez. J'entre à 24. J'entre au rec à 24. À 24,50. Merde. Ouais, j'ai oublié de le. Rien là? Vraiment? Pas de.
poteau? Ah voilà. Bon bah 25, hop là. Ce sera plus facile pour s'en souvenir. Quoique je vais l'oublier, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai tiré un hypercube et un hypercube, je veux dire, et un fil électrique tout le long. Et heureusement parce que il y a une sacrée distance. Un hypertube, je sais pas combien de temps je mets, hein, vraiment. C'est plus long que les deux, hein, que les deux précédents, je pense. C'est peut-être équivalent aux deux précédents d'un coup. Hop là. Ah, dans ce sens-là, ça va. Ah, dans ce sens-là, c'est plus rapide. Parce que c'est en légère pente. Oh, ouais, c'est rapide, ça va. Ah, là, tu me diras, ça va. Déjà presque à une minute d'hypertube. Ouais, non, ça va pas, là. Ça va, ça va. Vas-y, ah, ça y est, on est arrivé. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Que nenni. Hop là, ça monte, ça monte, ça monte. Sympa la vue quand même, hein. En vrai, par contre, ouais. Tu tournes la tête, t'es bien. Bon, t'as un torticolis, mais... Oh. Hop là, et puis ça continue. Ça ne s'arrête donc jamais. Ouais, imaginez le temps que j'ai pris. Alors, pour l'anecdote, je suis mort à peu près par là. D'une chute. Je sais pas comment j'ai fait. Même mon jetpack n'a pas fonctionné et tout, donc... On accélère, ah on voit, on y voit. Et 1 minute 41, 1 minute 40 grosso modo. On peut arriver là. Donc comme vous voyez c'est en travaux. Là j'ai une pompe pure, donc j'ai une source pure. Ça va être que de la production de plastique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que de tête j'avais calculé qu'il m'en fallait 8. Je sais pas si j'ai de quoi en faire des... des raffineries. J'ai de quoi en faire, vas-y. Tu sais quoi, je vais... Je vais le faire maintenant. Ah oui, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est beau. C'est très coloré dans le coin. Même moi, le daltonien, sait qu'il y a beaucoup de couleurs. De dire à quel point c'est coloré. Raffinerie. Voyons voir. Alors, je voudrais bien le mettre au moins, voilà. C'est quoi le problème là? Ok, c'était chelou ça. Bon, regardez, les raffineries sont colorées aussi. si on fait du plastique, on va avoir en sortie du résidu de pétrole lourd. Et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Du carburant. Oh, bah attends. Ah ouais, c'est vrai que je vais avoir plein de trucs à faire. La poudre sans fumée. Alors attends, on va voir. La poudre sans fumée, c'est... résidu de pétrole lourd. Allez hop, tiens, ça va partir sur ça. Il me faut ça aussi. Ça c'est quoi? C'est de l'eau. Résine de polymère. Ça, j'en ai de la résine de polymère produite un peu plus loin, on fera de tissu. Tôle de cuivre, ah oui, c'est vrai. On consomme un peu moins de lingots, je crois. Ouais. Deux fois moins de lingots, mais de l'eau en contrepartie. Après, le taux de production il est... Waouh! Ah ouais, ça booste le taux de production. Ah oui, il n'y a pas photo. Très certainement je partirai sur ça pour plus tard. Résidus d'aluminium. Charbon, solution d'alumine. Ok. Je sais pas trop encore à quoi ça va servir, mais c'est pas grave. Attends. Ça me donne de l'eau. Ah, intéressant. Oh la vache! Ah, ça me donne même beaucoup d'eau. Ah, mais faut l'utiliser l'eau. 320 d'eau. Par minute, oh la vache. Bon. Enfin. Solution d'alumine, ça donne du silice, de la silice. Ah.
que ça vaudrait toujours le coup que je fasse de la silice à partir de cristaux de quartz. Je ne pense pas. Ok. Allez, full plastique. Ouais, ça me donne 10. J'en ai combien? J'en ai 8. Ça me donnait 80 résidus de plastique lourd. Turbo carburant. Carburant et charbon compacté. Ah ouais, non mais là. Charbon compacté, j'en ai pas, mes amis. Alors ça pourra valoir le coup peut-être plus tard, on verra. Mais là actuellement, on en... Je peux faire deux poudres sans fumée et si j'ai bonne mémoire. Ça me prend 60, vu que j'en produis 80. 60 plus 10 plus 10, 80, allez. Ah mais ça me fait du carburant 40 par minute. Dans la raffinerie, ça m'en consomme combien? Une centrale, je veux dire. Je sais plus, moi. Je sais même pas si j'ai de quoi faire. Hein. Non. Ah, triste. Il n'y a pas assez de détails, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est pas prêt de fonctionner ça. Parce qu'il faut encore que. Mais non, mais non, mais non, j'allais dire une bêtise. Il disait, il faut encore que je tire un convoyeur tout le long. Sauf que, grâce à ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on va débloquer normalement, on va débloquer les drones. Ce qui fait que j'aurais. J'ai juste à mettre une plateforme de drone là. Et il se chargera de faire des allers-retours. Oh oui, ça c'est bon ça. C'est trop bien. Il y a plein de trucs volants. Ils sont barrés. Dommage. Enfin voilà. Le petit coin. Tout récemment fait. On va repartir. J'oublie rien. Ouais. Oh, ça fait du bruit, ah, c'est marrant. Ouais, c'est de l'air, hein. C'est pas magnétique, on est d'accord. Il perturbe. Comment ça passe? Comment ça fonctionne? Je sais pas. Moi, c'est de l'air. Allez, c'est parti. Alors là, dans ce sens-là, ça va mettre plus de temps parce on est en montée. On est en montée quasi constante. Il s'ouvre ou pas là quand je passe à côté? Non. Mais bon, ça nous permet d'admirer la vue et ces grosses bestioles. Et ouais, sacré montée. Hein. Et ce n'est pas fini. Et je sais plus combien de temps j'ai pris pour faire ce passage, mais c'était un joyeux calvaire, comme on peut dire dans le jargon. C'était fun quand même, c'est le principal. Ouais, bah oui, donc on va continuer à débloquer, je veux dire. Nos bâtiments, nos technologies. Et une fois que. Ouais, je crois que je vais tout débloquer, mais un peu à la. Alors. Tout? Ah, ça risque d'être un peu chiant tout, mais ouais. Je crois que je vais tout débloquer. Même un peu à l'arrache. Vraiment faire ça à la mano. Pour savoir exactement. Bah, tout ce qu'on peut produire, je vais débloquer toutes mes technologies, toutes les technologies pareilles de l'AMA. Ah d'ailleurs, ça en aura peut-être rajouté. De la MA plutôt. Voilà. Mais je suis en train de me dire, vu que j'ai débloqué de nouveaux trucs, est-ce que ça. J'ai débloqué de nouvelles technologies, est-ce que j'en ai encore justement des nou
Nouveau truc débloqué, ça, ouais ça doit. On va aller voir ça. Hop, et là on est sur 2 minutes de trajet. Dans ce sens-là, c'est plus long, on est sur plus de 2 minutes de trajet. De 10, on sera sur environ 2,15 de trajet. Oh la vache. Et ouais, d'un bout à l'autre là. Donc grosso modo, de là à de là. Bon, j'utilise pas l'hypoténuse. Voilà. L'opposé est l'adjacent. Ah, des cours de maths qui servent, dis. J'utilise un triangle là, à peu près rectangle, j'utilise pas l'adjacent, donc bon, effectivement ça va un peu plus long. L'hypoténuse, je veux dire. Oh. Mais je pense qu'il y en a pour 5 minutes de trajet en vrai. C'est important. Alors, ah, j'ai vu. Ah oui, mais là je peux pas passer parce que c'est radioactif. En attendant, j'ai sorti il y a pas longtemps, avant-hier, le deuxième épisode du Let's Play narratif sur Crusader King 3, qui a eu de bons retours. Hein. Encore une fois, merci pour vos retours. Et j'ai beaucoup aimé les messages bretons. Alors, faut que j'ai lu de l'Ouderval 64-23. La Bretagne sera ton tombeau ou celui de tes descendants. Te voilà prévenu, tu as de Normandie. Un Breton ne peut être, pardon, un peu, un Breton ne peut être vaincu. Ah, un Breton peut être vaincu, mais ne se soumet jamais vraiment. Sinon, je te félicite pour la qualité de tes vidéos, etc. Merci à toi. Alors déjà, ça me fait super plaisir ce genre de message, mais surtout le côté RP, j'ai surkiffé. Et je suis content en fait que ça soit pris aussi bien les. Que ça soit pas en mode ouais la Bretagne de toute façon les Normands machin, pas que ça soit une petite rivalité mais une mignonne tu vois avec respect et je suis super content ouais. C'est pour ça que j'adore la petite communauté qu'on est, c'est que l'ambiance elle est géniale quoi, la prise de tête et franchement je vous en remercie quoi, je vous en remercie d'être là et juste regarder même pas en entier, genre vraiment chill de temps en temps une petite vidéo et j'espère vous faire passer du bon temps. Allez, sur cette petite aparté, on va passer. On va débloquer le reste. Ah, purée, déjà. Merde. J'ai pas ce qu'il faut. Ça se complique déjà. Aïe, aïe. On a du tôle d'aluminium en alliage alcade. Ah. Ça veut dire qu'il me faut de l'aluminium, non? Non, du bauxite. Ah, les bauxites, on en a pas loin. Ouais. C'est vrai, direct, ça rigole plus, ça. Donc, si je me trompe pas, ça doit être fait à partir de ça. Ah non, c'est pas possible. Attends, quoi? Là, c'est pas là. On va y avancer. Rebut d'aluminium et silice. Lingot de cuivre et lingot d'aluminium. Oh merde. Ah ouais. Ah oui, il va vraiment falloir du rebut d'aluminium. Oula, et ça se complique, hein? Alors, hein? Elle est passée où ma raffinerie? Cliquez sur. Hein. La solution d'alumine. Ça. Ok, donc solution d'alumine. Mélangeur. Ouais, mais il me faut un boîtier d'aluminium. Comment je fais ma solution d'alumine? Non, c'est pas ça qu'il me faut. Mais si, oui. Ah, mais ils sont drôles. J'ai besoin de solution d'alumine, mais je sais pas comment la faire.
Crop d'aluminium, ouais. J'ai foutu du charbon. Du charbon en plus, c'est. Solution d'alumine. J'ai une recette alternative. Dans la raffinerie, il me faut de l'eau et du bauxite. Je l'ai pas vu. Quoi? Ah, je me lis. Ok. C'est de l'eau. Nice. C'est de la bauxite. Non, c'est pas ça. Bauxite. Ok. Oh putain, 120 bauxite par minute. Ah ouais, ça déconne zéro. Foreuse MK2. Il me manque une foreuse, deux foreuses portables. Eh ben, on va s'occuper de ça de suite. Alors, j'ai quoi faire combien? Je vais chercher un tout petit peu plus de plaques de fer au cas où. Au cas où, merci. Non, c'est pas ça. Hop, allez. On a un 600 mètres. Oh, j'espère juste qu'il est pas en hauteur. Oh, j'espère. Oh, j'espère qu'il est pas genre, tu vois là, sur le passage là. Hein. Oh, il est brusque. Au vu de la distance. C'est tellement possible. Ah non, me fais pas ce coup-là, Jean-Michel. On se rapproche, mais doucement. Il est peut-être là. Ah si, il est là. Oh putain, il est juste au-dessus. Alors qu'on monte. Dommage. Hop là, allez. Putain, par contre, ouais, j'ai pas de munitions. Ouais, peut-être, C'est encore plus haut. Toujours plus haut. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus fort. Oula, c'est moche ça. Peut-être moyen de monter par là. C'est vrai que j'ai pas d'armes non plus. Ouais, j'ai fait une petite chute hors de la map. Quoi? 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 Attendez, comment ça je prends des dégâts? J'ai mon masque à gaz. Ah, j'ai plus de filtre. Ah, c'est terrible. Désolé, j'ai oublié mes filtres. Merde. Bon, je vais prendre un filtre, je vais me faire une arme avec des munitions. Ce sera plus sécur d'y aller comme ça. Voyons voir qu'est-ce qu'il me faut. Chariot d'usine, je sais même pas ce que c'est ça. On va se faire un fusil. Ça me fait consommer des moteurs, je vais peut-être pas en avoir assez pour le reste. Je vais aller chercher des moteurs après ça. Ok, j'ai pas des munitions qui traînent quelque part. Hein. Ah, des munitions pour fusil si possible. Du cuivre et de la poudre sans fumée. Ah, est-ce que j'ai de la poudre sans fumée? Ça. Oh, j'en ai. Ouais, peut-être pris un peu trop là quand même.
J'ai pris légèrement trop. Hein. 180 munitions, ça devrait le faire. Et il me faut, c'est où? Filtre à gaz après. Faut du tissu pour ça, je crois. Du charbon. Un truc comme ça. Tissu, charbon. Si je ne me trompe pas. Tissu, charbon et caoutchouc. Ouais. J'avais pas fait si. Exprès si. Oh yes! Oh putain, il y a de la conso de charbon là. Oh la vache. J'en ai pas une autre, une arrivée de charbon qui consomme pas tout. Là-bas, ça a pas l'air de tout consommer. Ouais, c'est ce qui va là. Au central à charbon, je vais y aller vite fait, je vais là récupérer du charbon. Putain, ça veut dire que là au niveau charbon c'est ricrac. Et B. Vivement qu'on passe sur du MK3 en foreuse. Ça fait longtemps que je suis pas venu là. Pour le coup. 1, 2, 3, 4, 5, allez hop. Bah on est déjà reparti. Ciao. C'est vrai que actuellement il y a pas mal de trucs qui m'ont demandé du charbon, mais je suis en train de me dire si avec les centrales va y avoir plus de... Enfin si je peux changer ma production d'électricité et retirer la production à base de charbon, ça me fera plus de charbon et j'aurais même pas besoin d'aller en chercher plus. Enfin j'aurais pas besoin d'aller chercher d'autres sources. Ça peut être pas mal ça. Hop, allez, quelques filtres. Il faudrait que je fasse une tronçonneuse en vrai aussi. Non, même. Parachute, ça sert à rien. Chercher quelques moteurs. Hop là, ouais, ça déconne zéro ça. Hop, les moteurs ils sont là. C'est quand même pratique et ça se remplit vite en plus. Allez, on va prendre notre vengeance. Cette fois on est équipé. On va pouvoir monter. Donc c'était quelque part par là. Hein. Si j'ai bonne mémoire. On va tester l'efficacité de ça là. Ouais, j'ai jamais été bon à FPS moi. 6 balles je pense avoir tué. Alors vous attendez pas un gameplay de fou hein. Moi une FPS comme je vous dis c'est vraiment pas ma tasse de thé. Bon là je devrais pouvoir passer sans souci maintenant. Ou alors je comprends pas. Ça. Ah ouais. Bah, j'en ai pas tué. Oh, attends, c'est violet ça, non? Oh yes. C'est bien pour booster la production ça. Ok, ensuite. Ah
Ouais, bon pour ça c'est efficace, hein. Ok. Aucun malus dans les airs, ça c'est cool. Oh, alors attends. Ah là là, quel gaspillage de munitions. Putain, on laisserait quelques... Ok, y'a quoi ici? Rien? Ah si, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas facile. Alors ça c'est un... Summer's Loop, mais ça ne sert toujours à rien je crois. C'est quoi ça? C'est moi ça? Ah oui, on est là, ok! Ah, de haut, c'est stylé, ouais. Bon, allez, là, je dois arriver là-bas. Objectif économie de carburant. Hein. Ça va aller. Ok. Il y a des monstres là dans le coin, je présume. Ah oui, il y en a un, oui, tiens. Wow. La vache. Plus de munitions en plus. Et quoi sur lui par contre, ça au prix. Ah, il lui manquait une munition. Oh là-bas, dit. Oh là-bas. La physique, c'est pas ça. Hein. Bon, récupère ta viande. Saloperie, il y va. Il y en a un autre là derrière, planqué là, parce qu'il y en a beaucoup des. Oui, voilà. Ça bouge, saloperie. Oh la vache. C'est vif, hein. Hop. Allez, on récupère un peu ce qu'il y a par terre. Ce sera déjà ça de prix. Beaucoup d'ordinateurs. Oh. Peut te faire renforcer. Ça, oui. Et ça pour ouvrir, c'est. Dissipateur de chaleur. Ah ouais, rien que ça. Bon, c'est pas grave. On va. La proximité, elle est censée être par là-bas. Oui, d'accord, je la vois. En plein milieu, il y a rien d'autre, hein. C'est vraiment juste pour dire. Il y a rien d'autre. Oui, mon gars, oui, apprends à... Apprends à tourner ta langue cette fois dans la bouche avant de réfléchir de parler. Après, moi, j'ai pas vie limitée comme toi. Hein. Oh la vache, je me suis pris quoi là d'un coup? Oh non! Bon, je suis pas fait pour l'espèce. Les FPS, je vous l'avais dit. Je me suis fait fumer. Bon. Bah. Voyez la pierre. On va faire un truc moche. Mais bon, là d'un coup, je me suis pris. Oh non. Oh non, pas ça. Ah, j'ai plus de béton en stock. Bah, récupère. Oh la vache, ouais, c'est un par en plus. Ouais, je devais en refaire à la main. Ah, c'est terrible ça. Voilà. C'est exactement le genre de truc qui m'arrive régulièrement ça. Régulièrement. Non, pas tout le temps non plus, heureusement. Bon. Est-ce que je vais tomber à l'échelle? Ah bah oui.
Il est en mode oh c'est bon, c'est bon. Aïe. Bon, je vais récupérer le calcaire à la main. Et je vais faire du béton à la main. Oh, il est beau. Allez, saute. Oh. Merci. Voilà. Plus rapide comme ça, n'est-ce pas? Wouhou. Ah, par contre, sur les décathlons, là, si je vais dessus, je me fais éjecter à vitesse grand V. Oula. C'est bon. Allez, 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 allez. Béton. Oh putain, et c'est tout. Quoi faire? Ah non, mais non, ouais, c'est un délire. Je sais pas s'il y a une autre. Alors, une recette alternative pour le béton. Mais. Il en faudrait presque, parce que. Alors, on n'utilise pas pour beaucoup de choses le béton, mais il faut une quantité pour produire un peu de béton. La consommation est assez grande. Surtout ça le truc. Ok. Je suppose que je n'ai pas de plaque ici. Hein. Et non. Et non, et non. Ça va être compliqué d'y aller, moi je vous le dis. Hein. Ça devrait suffire, une centaine. Faut que je monte tout en haut. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, pareil, c'est un peu le bazar. Pas mal de ressources qui bon, quoi. Je rapatrie vraiment beaucoup de trucs. C'est pas grave, on va monter petit à petit. Non, pour faire descendre la bauxite, ça va être une histoire ça aussi. Ça va être quelque chose. Hein. Hop, allez, une petite montée ici. Déjà ce sera un premier pas, je peux monter comme ça. Allez, on escalade. Oula. Et... heureusement qu'il n'y a plus de mob ici. C'est une araignée ça sur le plafond? J'en sais rien et j'ai pas vraiment envie de le savoir. Bon bah maintenant faut que je monte. C'est moins drôle ça. Là, si on va mettre une double rampe. Ah, yes. Hop là, ah bah mince, il en reste un, c'est pas grave. Récupérer tout ça. Là je tombe, je suis pas bien. Vérifier que ce soit pas trop hostile dans le coin déjà.
Ok, et ensuite c'est là où. Oula, il y a de l'hostilité par là-bas. Il y a de l'hostilité là, c'est pas ouf. Ah zut, à chaque fois je me trompe. J'ai rien, qu'il n'y a rien qui m'attend là-haut là, en mode coucou. Surprise! Ouais, ils m'attendent, mais ils sont pas juste devant. Pas vu, pas pris. J'ai rien fait, je suis innocent, dégage. Attends. Il se fout mon jetpack et tout là. J'ai perdu mon jetpack, mon arme et tout. C'est quoi le délire? Wesh. Non, mais non, mais c'est pas drôle ça. Attendez, j'ai peut-être mal vu, allez, hein. J'ai des trucs. J'ai obligé de marcher en biais parce qu'il tire. Il arrive à prédire nos mouvements là. J'ai obligé d'aller partout, même moi faire des trucs aléatoires. Attends, attendez, oh. Ah oui d'accord, c'est dépassé du... Donc effectivement tous mes équipements étaient bien là, mais ils dépassaient du... Bon, vengeance, rien à foutre. T'as pas bougé. Non mais vraiment, mais... Oh. Et ils sont costauds hein, en plus. Déjà moi qui suis nul. Et si en plus ils sont costauds, c'est compliqué là. C'est costaud, bon allez, récupérer tout ça. Vraiment j'ai la place dans l'inventaire tout pile. Vraiment tout pile. Ah bah saloperie de bestiaux. Hein. Ah, merci. C'est bien, ça me fait des restes. Production. Oui, ça. Voilà. Ah, j'ai pas d'élec. Con ça. Ah, je dois bien avoir un câble élec là tout en bas. Ah oui, c'est peut-être tout en bas et peut-être un petit peu bas par contre. Quand je descendrai, il faudrait, je pense, à descendre le câble avec. Par contre, tout ça, c'est moche là. Merci. Ah.
que je ferais pas l'usine devant en vrai? On avait dit qu'il fallait quoi? Une raffinerie. Ah oui, mais il fallait de l'eau. Ouais, alors. Alors, faire monter de l'eau à cette hauteur, je suis pas fan. J'ai du mal avec le principe. Un peu. C'est légèrement haut, quoi. Ah, c'est dommage ça aussi. Pas grave, hop là. Ah, c'est joli la vue par contre. Hein. Elle est vraiment sympa. Ouais, là, faudrait que je descende, mais. Ça va être. Tendax hein, tout ça. Hein. Mais bon, je dois le faire pour le bien de. On sait pas trop pour le bien de qui, mais je dois le faire. Il n'y a pas un autre étage. Pas du tout. Si, par là. Ok, ça descend par là. Hein. On va pouvoir suivre un chemin par là-bas. Trop incliné, là je comprends. Là par contre je comprends pas. Non plus. Ouais, ça va être. Peut-être en faisant ça. Non plus. Ça a glissé là. Pas ouf. Bon, je vais déjà aller chercher ça. Ah même là, c'est. Ah oui, c'est long. Je vais faire un courrier vertical. Oui, ça marche bien. Une sacrée chute, mine de rien. Oh! DB, trop bien. Je dois tomber, je dois trouver un autre point de. Quand je dis doit tomber, c'est je dois trouver un autre point de chute. Par là, hein, ça a l'air bien. Allez. Bon, je suis deg, j'ai pas les ressources nécessaires encore. Là, si je vais par là, hop, je passe comme ça, je tombe. Un truc comme ça. Hein. Hop, hop. Ok, là on peut être relié au réseau. Alors est-ce que ce. Du hasard, c'est haut, hein? Oui, c'est un peu haut. Alors là, la nuit avec le masque, j'y vois rien du tout. Là, c'est dit. Cap trop long. Oh. Ok. Bon déjà lui en haut elle est montée la vache. C'est quand même. Et je vais devoir trouver des astuces là. Il va falloir pas mal de convoyeurs verticaux. Mais c'est quand même bien les convoyeurs verticaux en vrai. On va aller chercher ce qu'il faut. Ouais, c'est. Voilà, c'est la nuit, il y a de la brume. On n'y voit pas à 2 mètres, dit. Vraie purée de poids.
Ouais, viens là toi. Et ah oui. Ouais, je suis. J'ai mon item complet. Hein. Mon item. J'ai ma. Mon inventaire complet. Alors, j'en profite. Je sais que j'ai 2-3 trucs à remettre dans le coffre là-bas. Comme ça me videra un peu l'inventaire. Dont une électrolimace violette. Si je peux éviter de la garder. Ah, des bleus. Ah, bah ça. Oh, bah. Un truc en vrai. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Ah bah voilà. On va vider un peu l'item. Ah l'inventaire. Oula, pourquoi ça vole ça? Il y a des mystères des fois comme ça. Ouais, on voit le passage, on voit là au loin le courrier vertical. Oula. J'étais en train de me péter la binette moi. J'oublie que je dois monter un peu quand même. Oh, le petit frise sympa dit, je sais même pas où je suis. Sur la descente. Monter par ah, zut. Encore? Ah, il y a des trucs qui pop et qui se font tuer là en fait. C'est. Là, ça y est, des monstres ici, ils apparaissent. Parce que là, je sais que j'ai rien pris ici. Ils se font instantanément fumer. C'est rigolo, ça. Bon, c'est là que je dois être bon. C'est trop long. On va tricher un peu. On va tricher un peu. Faut tricher, hein. Ça, c'est un grand mot. Tac. Tac. Disons qu'on aide les lois de la physique, quoi. Ok. Là, on est là. Ah, ok. Voilà. Ça descend, ça descend, ça descend.
Un peu de bauxite. Salut, salut. Ça descend, ça descend, ça descend. Et là, je pourrais faire le tri par là-bas. Ouais, c'est bien. Genre ici, je mets une pompe à eau là-dedans, là. Je crois, hein, parce que je crois que j'en ai besoin. Là, je fous un... Voilà, une raffinerie. Ou deux. Je vais en mettre deux. Pour ceux qui ont la ref. Ils sont à une minute. C'est ça, non, qu'il me faut? Ah non, je sais plus. Oh, j'en sais rien, moi. J'ai oublié. C'est ça. Sélection de la mine. 100, putain, 120 de bauxite. Trop incliné. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un répartiteur. Forcément. C'est toujours pareil. Attends, j'ai pas de câble. J'ai pas d'élec. Hop, merci mon ami. Voilà. Hop, et je vais avoir besoin d'en tirer un autre pour choper de l'eau. Pompe à eau. Quoi foutre Impeccable. Ah oui, il faudrait peut-être que je la... Ok. Les deux, je les ai bien libres ou... Oui, non. Voilà. Là, au moins il arrive pile ce qu'il faut en prod. Ça c'est cool. C'est où? Logistique. Un croisement de pipeline ici, pipeline. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. J'appelle ça un pipeline. J'ai pas besoin de gros débit donc. Je vais assurer le coup en mettant une pompe. Purement au cas où. Ça pompe ça? J'ai un peu d'eau. Ça commence à monter. Attends, 180 d'eau par minute! Pardon? Ah oui, bah non. Ouais, je peux se passer à ça parce que 180 x 2, 360, là, ouais, ce serait facile. Et on va mettre bah, deux pompes, j'ai pas trop le choix. C'est un croisement de line. Ah quoi ça? Il dit ouais, pour limiter les sbires, rien à foutre. Augmenter la hauteur de renfoulement. Oh.
Attends. C'est plus efficace, déjà. Sacré moteur, ça. Hein. Ok, et deuxième pont, pas où? Parce que pas le choix. Logistique. Je pourrais mettre du M15 ici, mais. Vraiment pas ça prêt là. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça me fait de F6. Aïe. Ah putain, mais il sort un liquide aussi. C'est vrai, j'avais zappé ça. Alors, bon, déjà, on va faire quelque chose de simple. On va tirer un peu la faune là, la flore plutôt. Il voit pas grand chose. Voilà. On va faire un groupeur. Hop, et qui envoie tout sur un broyeur. C'est temporaire, hein, tout ça. Faut pas déconner, c'est jusque là. Hop, toi tu vas être alimenté. Ah oui, bah oui, oui. Il monte quoi lui? Il monte ça, très bien. Ça, j'en ai pas besoin de suite. Je peux le couper. Pendant un temps, voilà. Il fait que là, ça devrait se mettre en route. C'est quoi cette vitesse là? Ah ouais, ouais, mec. Quand même. Voilà, si j'en produis une chier, donc rien à foutre. Et la solution d'alumine. Avec la solution d'alumine. Je peux faire quoi? C'est toujours rien. C'est terrible. Si j'ai un truc, ça doit être fait peut-être à partir de. Non, c'est où? Non, je m'en fous du packager. Ah, c'est pas ça. Une histoire des mélangeurs là. Je sais plus. Attendez. Je vais retourner à la base. Mais j'ai un établi au pire. Hey. Alors, un établi, vas-y, je vais pas me. C'est où c'est là? Est-ce que je sais... oh, en vrai, je sais même plus. Je crois qu'il faut que je fasse des lingots. Pour faire. Ou ça, non? Dans l'alliage. Putain, il me faut du cuivre. Aluminium. Il me faut ça. Ok, il me faut d'aluminium. Il me faut de la silice et. Et. Un truc que je peux faire qu'avec les qu'avec les raffineries, non? Et du rebut d'aluminium, hein, c'est ça? Charbon et solution d'albumine. D'alumine. Ah. Ah, ça fait une bonne quantité comme solution d'alumine par minute. Que là, si je me fais une raffinerie, une énième, c'est vraiment dégueulasse dans le coin, c'est pas grave.
Ah ouais. Ah ouais! Ah, ça déconne zéro. Dans 120 d'eau par minute, les deux là. Donc tout me consomme 120 d'eau par minute. Mais ça me produit combien là? 120. Ah oui, Et donc une pompe à eau égale. Une troisième pompe à eau, je crois, j'ai pas le choix. Logistique. Hop. Demander une petite alimentation quand même, s'il vous plaît. Donc, quoi? Bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai vu que ça me demande de l'eau? Non, ça, ah, c'est que ça me fournit de l'eau. La bonne question, c'est qu'est-ce que je fais de l'eau? Charbon par minute, rien que ça. Bon, déjà, ça c'est bon, on le sait. Ça, ça s'alimentait ou pas? Non, what? Attends, quoi? Ouais, c'est ça. C'est de l'eau, merci. Il faut que j'amène du charbon maintenant. Oui, 120 de charbon. La question c'est, j'ai dû utiliser beaucoup de charbon dans le coin. Ah oui, mais déjà j'allais chercher loin. Oh. Oh. Où est-ce que je vais devoir aller chercher le charbon maintenant? Et j'en ai par là, normal. Bien. Ah mais il vient de loin, mine de rien. Il vient de loin, oh de fou. Et possiblement de hauteur aussi. D'où vient tu l'as mis? Non, ça c'est pas de la hauteur. C'est possiblement de la hauteur. Le normal. Après, j'en ai pas besoin non plus de 500. On va voir. Je vais voir et on finira l'épisode là-dessus. 1 km, mine de rien. Alors déjà la question c'est, je sais pas c'est de convoyeur. Je vais chercher du convoyeur. Je vais chercher de quoi faire une foreuse au cas où. Je sais pas si j'ai de quoi. Il manque pas grand chose. Mon foreuse portable. Ah j'ai plus de pétrole. Il va me falloir du carburant pour mon jetpack aussi. Hop là. Ah, j'ai plus assez de tiges de fer non plus. La dèche. Bon, tant mieux parce que... Tant mieux que je m'en suis rendu compte maintenant.
Parce que les pylônes de convoyeur, ils m'en demandent des tuyaux et j'aurais été un peu dégoûté de devoir faire l'aller-retour pour des tuyaux quoi. Pour des tiges, je veux dire. Hop là. Non, c'est là. Alors, c'est vrai que des fois ça bug, tu sais pas pourquoi. Je peux pas le fabriquer. Ah, je suis full item. Et une. Et deux. Allez, on va accélérer le chemin en passant par l'hypertube pétrole. Ça va nous rapprocher. On va laisser par là. Oh, quoique, c'est kiff-kiff, peut-être. Je sais pas. Voilà, ça nous permet de voir notre petit endroit temporaire. Si loin que ça là. Mais non mais oui mais si je venais par là c'était pour aller chercher du stock pour mon jetpack. Hop là, j'ai rien à te filer. Oh merde, je suis. Et c'est parti. Alors, un petit peu plus sur la gauche. Ah. Ouais, alors pas trop non plus. Je crois que j'ai pied là. Je sais plus si c'est un passage là où il y a. C'est quelque chose. Je vais voir. Ah non, c'est une grotte. Allez, ça me revient. Jolie cascade. J'ai jamais dû aller en hauteur là, par là-bas. Je vois pas du tout d'où vient la cascade. Bon, je vais recharger au cas où, voilà. Et là. Merde. C'est la cascade qui fait point de hauteur. Devoir monter. Ok. Que je peux atteindre ça là, ça risque d'être chaud. Non. Je vais faire une connerie moi. On va allonger, on va voir si on trouve autre chose. Hop dans l'eau. Ah, un peu de frais.
fait du bien, hein, par ces grosses chaleurs d'été. On est qu'en juin et il fait déjà chaud, imagine pas l'été, hein. Tiens, note à toi pour plus tard, si quelqu'un est présent à ce moment-là dans la vidéo, fait-il très chaud? Bonne question. S'il te plaît, réponds-moi dans les commentaires, dis-moi s'il fait chaud ou pas. Parce que j'aurais oublié que je me serais posé la question. Ok, on va passer par là. C'est joli. Mètres par là, oh la vache. Je vais continuer à prendre de la hauteur, de toute façon au moins de haut. On sera sûr. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Je disais donc de haut, on sera sûr que on aura l'accès. Sauf si c'est dans une grotte. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible ça. C'est un vrai labyrinthe pour monter, hein. Sympa le biome. Non, pas, je suis accueilli par des radiations. Vas-y, c'est ça, ferme ta goule, mon ami. Hein. Sympa le biome. Ouais. Effectivement, ça l'aide d'être en hauteur. Effectivement, j'ai rien dit. Attends, quoi? Il y a vraiment un truc là? Ah ouais! Ah ouais! Là, j'ai pas l'impression de connaître. Ah si, d'accord. Ouais. Ah, et puis il me charge bien en étant désynchronisé, hein. Saloperie. Bon. Lui est bloqué derrière les grenouilles. What? Lui il a bugué moi. Attends, what? Mais il était mort ou il était pas mort? Du monde pour protéger le charbon. Hein. Bon, alors la sortie elle est où? Par là-bas. Bon, on aura piqué un peu de charbon. Désolé, j'ai pas ramené de câble. En même temps, je sais pas où c'est pour répondre. Oh la vache. Il y a du monde sur le passage. Hein. Et dis donc, c'est légèrement malfamé dans le coin. Hein. Vache. Ah bon, encore? Ah, j'ai beau sauter, là. Oh, 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 j'ai pas le temps de reculer, toi. J'ai vraiment mal famé dans le coin. Je vais me nourrir vite fait, là. Bon, je suppose aussi que... Je vais pas voir ce qu'il faut pour l'ouvrir. 250 méga... 256 mégawatts. Ah oui, monsieur. Ah oui. Hein? Dans une place. Ah, c'est cool. Pareil pour ça.
256 mégawatts, c'est énorme. Bon, essayons de trouver une sortie. Je sais pas si je peux passer par le bas en vrai. Là, par là, je sais qu'il y a de l'eau. On sait grâce à la carte plutôt qu'il y a de l'eau. Putain, des radiations aussi. Ah oui, voilà. On va descendre par là. J'ai pas réussi. Il fait mal. Ah merde. Je lui ai vidé un chargeur. Oh, c'est bon, je suis planqué derrière ça. Adieu. Ok, je comprends pourquoi. J'étais pas le bienvenu ici. Attends, j'ai réussi à prendre le machin, mais j'avais plus de place. Oh, faut pas chercher des fois. Hein. Bon. On va passer de l'autre côté de la rive là. Mais je suis à la même hauteur là. Je vais devoir faire venir du charbon. Là, 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 là. Ah c'est bon, il y a une petite descente. Ah mais il y a une montée, j'avais pas vu. Il y a une montée tranquille ici. Attends. Pour le fil électrique là. Pourquoi je m'embête? Ah, le fil électrique c'est bon. Alors c'est bon. À peu près, on va ranger ça quand même. Mais non. What? Ah, c'est bugué ça. Alors, tiens, ça peut être voir. Est-ce que j'ai vidé mes munitions alors que j'étais pas du tout avec? Oui! Tiens, c'est original ça. Ah, mais arrête! Arrête! Mais je tire pas! Wesh! C'est bugué! Terrible! C'est quoi ça? Du charbon. Dégage. Ok. Donc là déjà normalement c'est alimenté. J'ai 600 convoyeurs pour arriver. Bon au moins je sais le chemin que je dois prendre. Enfin je connais le chemin que je dois prendre grâce à... au fil électrique. Bon, je suis pas sûr que le drone il arrive trop à. À bouger dans ce genre d'environnement avec les bambous. Descendre la montagne à cheval. Non, un convoyeur. On descend de la montagne à convoyeur. Pardon, c'est nerveux, c'est nerveux. Allez. Ouh. On va aller au B. Prévu ça.
Hop, pardon, j'ai donné un coup. Ouais, souvent ça, mais en même temps il est obligé d'être près, proche. Oula. Mais là. Bon, il était quand même de faire traverser trop là. Le caillou, c'est. Alors je veux bien que des fois je fasse des exceptions, je fasse des. Un peu à matos, mais là, quand même. Attends, j'ai vu un truc dans le trou là? Ah oui, d'accord. Effectivement, j'ai vu un truc dans l'enfoncement. Et toi? Voilà. Ça sent moi qui m'embêtera. Alors, je vais voir, est-ce que j'ai un petit passage possible? Oui! Je suis allé, on va changer ça. Changer de route. Faut faire courant. Faire court, dit-il après son 50e détour. Là, je mets un petit convoyeur là. Hop là, je vais faire pareil. Là, je te demande juste d'aller par là-bas. Je vais pas avoir assez de convoyeurs. Vous allez voir, je vais vraiment pas avoir assez de convoyeurs. Ah, c'est ça va être la tristesse. Il m'en manquait pas beaucoup. Hein. Ah, tu sais quoi, au pire, je finirai en MK3, c'est pas grave. De toute façon, on produit 240, un truc comme ça, max. Ouais. Quand je vous dis qu'il en manquerait pas beaucoup. C'est pas une blague, hein. Ok. Là, on produit de l'eau. L'eau, je vais la réinjecter. Allez voir. Là, une fois que ça tourne, je peux faire fonctionner un circuit fermé. Enfin, semi-fermé. Ah, pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais foutre de cette flotte, moi? Mais qu'est-ce que je vais foutre de l'eau si je... Je vais la mettre en bouteille, je vais faire de l'évian, c'est ça? Ah non? Merde. Putain, je sais pas quoi faire de l'eau, quoi. Et puis c'est un produit en plus, hein. Qu'est-ce que je vais foutre de 120 d'eau, moi? Parce que là, j'en produis... Attends, 100, attends, what? 180? Attends, ça fait 360, c'est 3 qu'il me faut en fait. Ah ouais, bah si, c'est bon. Là, tout ça, là, le surplus d'eau. Logistique, hop, tac. Et un mois. Hop, je vais le réinjecter dans le circuit. Parce que ça, je produis 120, 120, 120 fois 2. 400... 240. Or, eux, ils consomment 180 fois 2, 360. Et 120 fois 3, 360. Donc 120 plus 120, 240 plus 120, 360. Et voilà, donc ça tourne parfaitement. Maintenant... Et rebut d'aluminium, il faut que j'en fasse quelque chose.
Mais quoi? Bah si, je peux les prendre, je peux faire des trucs à la main. C'est pas ça qu'il me faut là pour le dernier truc? On va voir. Non, c'est vrai qu'il y a une étape intermédiaire, ça doit être la fonderie. Ça? Non. Non, c'est pas ça, c'est... On aurait avancé. Ça va trop incliné, oh oui. Bien de comprendre mon ami. On va t'aider un coup là. Je comprends. Peut-être dû faire ça dès le début. On est avancé. Salut. Il me demande de la silice et du rebut d'aluminium. Oula. La vache. Attends, mais ça me fait une belle prod, hein. 200 d'aluminium. 90, j'en produis. 360, donc ça fait 4. Là, il m'en faut 75, donc les... Hein? La vache, 300. Il me faut 300 de silice par minute, là. Peut-être à manquer un peu. Ah oui. 200 sur les 300. Bon, voilà, ça, on sait à quoi ça va me servir, le... Le quartz. La silice du quartz. Je me posais la question depuis le début, moi. Mais à quoi ça va me servir, ça? Maintenant je sais. Hop. Ça j'en ai plus besoin. Hop. Toi tu vas t'alimenter. J'ai pas de poteau ici, super. Voilà. Et là on a des rebuts d'aluminium. On va être alimenté en silice une fois que lui sera vide. Ça reproduira voilà, le truc derrière, etc. Bon, ça tournira. Ça tournira. Comme ça, c'est 2 heures de rush presque. Hein. Ça fatigue. Ça tournera au ralenti. Comme mon cerveau en ce moment. Merde. Passer loin. Voilà. Là on a des jolis lingots d'aluminium. Alors je rajoute ça dans mon magnifique Excel. Ça va tourner tranquillou. Ah, ça débite. Hein. Ça débite sacrément quand même, tiens. Mais au pire, je détourne un peu de quartz, mais non, ça débite trop. Est-ce que je fais directement un constructeur ici en mode. Mais c'est pas le constructeur, c'est fou ça. Mais quoi on fait ces saloperies de machin? C'est un assembleur? Oui, bon, ça va être posé de manière dégueulasse. Ah, c'est avec ça. Oh, il me faut des lingots de cuivre. Après, ça m'en donne. Oh, les lingots de cuivre, ça va être chiant. Parce que je... Et ben on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais laisser tourner un peu mon
une production d'aluminium. Pas trop le choix. Je vous remercie d'avoir suivi ce long épisode, 1h56, on va encore avoir battu des records. Ouais. Moi j'espère qu'il vous aura tout de même plu. Allez, je vous dis merci, à très bientôt, c'était Thiom. Ciao.